www.congofrance.com. Poemba, parmi les artistes au Baléka Kinani, il y a ben pour le nom du passé. Artiste est quoi le bien ça l'enregistrement na ya souka, donc album na ya souka. Et au recours au lobelai nini. Il n'y a pas de conseil à donner dans ce genre de décision. C'est une décision personnelle. Je ne peux pas, moi, que nous décision à Ezali Mabé ou comment non, il y a une décision encore personnelle. C'est comme on dit en français, chaque chose a son temps. Si le temps est venu pour lui d'arrêter, bon, tant mieux. Je suis désolé, qui dans la polémique, bon, ils savent pourquoi ils y vont jusqu'à il y a qu'à se séparer comme ça, quoi. Puisque quand il y a polémique, c'est qu'il y a séparation. www.congofrance.com. Partout au monde, vous nous suivez grâce à ce site internet qui nous permet au moins d'avoir l'actualité à temps réel, grâce à ces grands messieurs qui ne cessent de nous donner et de nous permettre au moins d'avoir l'actualité. Didi Dipoumba, que je salue à passant, et grâce à vous, nous renouvelons notre confiance et surtout notre façon de travailler avec vous. Bonjour et meilleur V papa. Comment ça va? Très bien, merci. Sentez-vous à l'aise, même sous la pluie, mais bon, sentez-vous à l'aise, quoi. Toute la ville de Kinshasa est bondée de la pluie, quoi. Merci, papa. Et je pense que une année passée, Tolobena qui, s'il vous plaît, si on peut parler à Lingala, pour Batou Bazan à Suède, Batou Bazan à Norvège, partout au monde, Balanabiso, un peu bien. Hein, papa, une année passée, tous avec Ananda Ko, Tolobena qui sur l'actualité, ils qui maître d'école, au lancé qui au Lobaki, au lancé plutôt. Et maintenant, Ebimi, d'abord, félicitations, papa, pour travail au Toyo qui en a voyagé, Toyo qui slow, Toyo qui débat différents styles, il y a la musique, et Betamina Katiwana, félicitations. Mais papa, Ebimi, si sur le marché, comment ça se passe déjà? Bon, 7 mois après, je crois qu'il trace son petit bonhomme de chemin, tranquillement. Double CD, 25 titres. Maintenant, depuis le mois dernier, le mois de décembre, nous avons eu à lancer 13 clips. Donc, je crois qu'il se maintient, quoi. Et nous sommes très fiers dans moi marche, dans le monde de quoi. Et vous êtes très fier, et surtout que Batoubazap est très fier na au Salaka. Batouloko, la messie Nelly Kabamba depuis Afrique du Sud. Et papa Wemba travaille Oyo, et Zala qui travaille Moko, et Zala qui travaille d'esprit. Et maintenant, Ebimi, Tomoni ba œuvre en haut sur le marché des disques. Mais choix d'artiste au Bosai na bango featuring. Et Zala qui à base, il y a besoin, tout Zala qui juste parce que vous avez déjà l'affinité. Bon, je crois à la faisa qui besoin. Jimmy Piana, je voulais toujours faire un deuxième featuring avec lui. Bon, l'occasion m'était donnée. La prochaine qui est, il n'a pas dit non. Il a sauté sur l'occasion. Et en tant que professionnel, il a pris son avion. Nous nous sommes retrouvés à Paris, au studio. Et nous avons travaillé cette chanson, quoi. Bon, Nyoka Longo est un ami de longue date. Je crois que le résultat est là. Parce que c'est parmi les voix de la rumba congolaise aussi. Barbara Kanam, une chanson taillée sur mesure pour elle. Je crois qu'aujourd'hui, elle nous fait la fierté. La fierté, cette grande chanteuse de la rumba congolaise, quoi. Et puis, Nana Kouyaté, la fille de Fodé Kouyaté, une africaine, une malienne, que l'a invité qui est pour Aya Koussa, la voix Nangaï, une chanson que j'ai dédiée aux Africains. Et papa, étant africain, Lelo, et surtout Tomoni Olati, Liputa, africain fier des lettres, et surtout ça va de pair avec notre culture. Étant africain, musique Nabiso Balobi à travers le monde, Balobi qui est musique Nabiso congolaise et perd de place Nango. Est-ce que c'est vrai? Est-il vrai? Bon, ça. Et je sais que moi, l'analyse est belé. Pourquoi et perdre place Nango? Pourquoi? Aujourd'hui, la technologie. Et comme vous présentez, Bissot, moi, difficulté est belé. Et puis, il faut dire aussi bravo aux artistes qui viennent de partout ou d'ailleurs. Comme vous proposez, Bissot aussi, sans mon koyasika. Mais la rumba congolaise, laissez-moi vous dire, et que Tikalaka toujours rumba congolaise.
et que tu jamais coupé à un jour ou comment quoi. C'est bien beau, mais la rumba congolaise, elle est hier, elle était là, aujourd'hui elle est toujours là et demain elle sera toujours là. Elle sera toujours là, Luaneza Malubaya, Papa Wemba 100% star. Et Papa Wemba 100% star, tu as dit que la chanson de Ozong ici 100% rumba. Pourquoi Ozong c'est 100% rumba? C'est pas parce que on remarqua qu'il y a un peu rumba et perda qui m'a dit que Ozong ici album est à 100% rumba ou comment? Bon, je n'ai pas dit 100% rumba, j'ai dit rumba na rumba. Rumba na rumba plutôt. Ouais, ouais. Zone, c'est l'entièreté. Ouais, ouais. Bon, na zone ici, rumba originelle, ils allaient juste pour qu'on faire voir Batou, volume, élégi, sensibilité, sens. Il y a rumba congolaise. Puisque bon, hier, il y en a de ceux-là où on va critiquer la ronde, beaucoup mieux qu'il y ait Bakakaba et Sanité pour. Bon, Bissotolé, non, 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 Bissotolé, Kenenengi, Wanate, il y en a tout Télémélaki, Yango, pour donc faire revenir Batou, la bonne raison. Mais bonne raison, et raison, moi, madame, osons ici Batou, et salut Michel MK Pomba Love depuis France, et salut Bango, énormément plaisir. Pourquoi pas, monsieur le boss, mon boss, mais c'est Didi Dipumba, je souhaite Didi Dipumba, salutations à toi depuis la France. Pourquoi pas à notre manager Bookson Bukasa depuis Suède, salutations aussi à vous. Et Papa Mbé, salut Bango, on est bien, on a musique, Oyozo Sala, et surtout la fierté. Et Nakati, c'est quoi la musique aujourd'hui? La vitesse, la musique congolaise, des Okende. On voit la jeune génération aussi apparaître. Nakati, la jeune génération, on s'entendait peut-être cette fois-ci, Papa Wemba Abengata Mutumoro est la cinquième génération, à ça la featuring Naye. Pourquoi et ça n'a pas marché? Et ça, qui Nakati, il y a carnet de charges, il y a album monté. Mais évidemment, c'est que dans la carnet des charges et à mettre des coltés, parce que nous sommes dit, l'équipe toute entière, ils vont travailler, mettre des coltés. Le bino, et vous, l'album, quand il y a ma featuring, tu en as déjà 4, il ne faut pas en prendre un cinquième. Cinquième, c'est que c'est un grand chanteur que moi, j'ai toujours aimé par sa voix, mon ami et frère Evoloko. Donc, la cinquième génération, bon, vas-y là, ça viendra. Peut-être ça sera de l'autre côté. Ou peut-être un jour aussi, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que moi, j'ai toujours eu à conjuguer la musique. C'est comme ça, quoi. Parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. On a toujours besoin d'un plus petit qui soit. Et c'est ça aussi qui va faire admiration, il y a la mélomane et agréable à lui. C'est bien, et Namoni définition en musique exacte, Nakati à Papa Wemba. Donc la musique vraiment est Nakati à centre et à Papa Wemba. Et maître d'école, pourquoi avoir choisi maître d'école album de l'année? Bon, je trône depuis plus de 3 décennies devant une institution, au-dessus d'une institution, Moloka et Viva la Musica, qui a vu défiler bon nombre d'artistes. Bon nombre d'artistes. C'est pourquoi je me suis dit qu'on allait mettre d'école absolue. Il y a une institution là. Autant na Pesango, titre P album Langa, quoi. Ça ne gêne personne. Je ne critique personne. Mettre par rapport il y a Batou en cadre. C'est tout à fait normal. C'est depuis là, ça va faire 38 ans. Le mois prochain, ça va faire 38 ans que Viva la Musique a créé. Je m'attendais à ta jour, il y a Eloukou Moko, non, suggestion Moko, bah, si c'est pas messieurs, je souhaite Didi Dipumba, notre boss, à l'objet. Il s'attendait à ta jour, il y a mariage, il y a Papa Wemba, à féliciter aussi pour ça. Étant artiste, après un temps, le bio, voilà, parce que c'était à travers l'émission qu'on a tournée une année passée que vous aviez dit que ça viendra. Donc, et Papa Wemba, pourquoi pas le mariage Nayo, au salaire qui a peut-être de l'homo, parce que ça fait beaucoup de temps, regrouper des artistes, va prester, donc l'artiste Nayo soit Viva la Musica, va prester jour et à mariage Nayo, et pour faire seulement revivre public Nayo sur ces moments. En fait, c'était prévu le deuxième jour. C'était le dimanche 10 août. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas eu lieu.
Et puis bon, nous sommes partis faire vivre ça dans le couloir Madiakoko, dans Matongé. C'était le mardi d'après, au Tokendaki, dans le couloir Madiakoko, et puis voilà quoi. Bien, et Papa Wemba, il y a une question, si vous me permettez, une question il y a qui est sur le réseau social. Papa Wemba, parmi les artistes, il y a un peu pour le nom du passé. Artiste, il y a un enregistrement de Yasuka, donc album de Yasuka. Et au recul, il y a un album, encouragement ou un mot, tout conseil, je ne sais pas. Il n'y a pas de conseil à donner dans ce genre de décision. C'est une décision personnelle. Je ne peux pas, moi, que la décision Anna-Ezali Mabé, ou comment, non, elle a une décision beaucoup personnelle. C'est comme on dit en français, chaque chose a son temps. Si le temps est venu pour lui d'arrêter, bon, tant mieux. Les autres vont toujours continuer, quoi. Merci. Et je pense que aux huit réponses Nayo, aux alaki préoccupations en majeure parce que tu ne cessais de réitérer, envoyer dans des différents réseaux sociaux. Papa Wemba, nous sommes maintenant na kati actualité aux ali comme maître d'école. La maître d'école maintenant le programme ou encore production à faire déjà aux ali déjà sur l'horizon. Mais tous les dimanches, nous avons notre rendez-vous dominical la rampe Forescom chez Mamie Freebox, de 18h à minuit. Et puis bon, on a des dates par-ci par-là où monsieur César déjà concrétisé et signé. Mais il y en a d'autres qui vont tomber en temps et au moment voulu, quoi. Et Jofis Masusa, Mingamobali et l'architecte Enoch Nzimbula Ntsevani souhaitaient déjà plein de succès encore de plus à Papa Wemba et surtout pour l'album Oyo. Je pense que cet album est permettre les sous musique congolaise et la scène internationale et surtout Papa Wemba à la scène internationale. Alors Papa Wemba, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Question Yasuka Otoku Otunayo, quand est-ce que Papa Wemba a envisagé à ça là et le comment qui va permettre à l'artiste de se réunir étant grand de la musique congolaise à Bengi cette fois-ci tous les artistes autour d'un sang pour ça là et le comment pour valoriser la musique, pour unifier la musique congolaise. Bon, je crois que ce temps là viendra, hein. On ne peut pas fermer la porte directement ou alors mettre un pont sur ce genre de concept ou de projet, quoi. Les artistes, au départ, je l'avais dit que nous ne sommes pas de frères ennemis. Toali, mais surtout, amour, monsieur Ede Lokomoko qui est musique. Rien ne nous empêchera, il y a qu'aux à la tous en un pour la qu'aux à la entre Bissot, quoi. Mais bon, je ne peux pas aujourd'hui, moi, me prétendre dire que voilà, n'a qu'au qui salabouille ou bien n'a qu'au salabouille. Parce que je sais comment ça fonctionne chez des collègues et que bon, peut-être que tout mes cas, il y a eu plusieurs fois, mais qu'il n'y a qu'un échec, c'est de notre faute. Et malheureusement, c'est la quinoiserie. Donc c'est la quinoiserie, mais j'espère que vous permettez un jour, raison qu'on a l'artiste, comprendre que la musique congolaise doit être unie, cette musique doit permettre réflexion, ils ont là toujours au centre, parce que Papa Wemba, en absence, il y a eu spéculation, il y a eu tiraillement entre artistes, je pense que de l'extérieur, Oyoka Kiango, et Zaki, vraiment, est-ce que musique Nabiso, il faut se nourrir Kaka l'autre fois parce que je suis sur RFI un jour Bando le sur un artiste musicien congolais. Est-ce que musique Nabiso congolaise, il faut plutôt se nourrir Kaka na polémique, na katina tiraillement. Je suis désolé, la polémique. Bon, ils savent pourquoi ils y vont jusqu'à il y a qu'à se séparer comme ça, quoi. Puisque quand il y a polémique, c'est qu'il y a séparation. Amour les a soutenus. Or, c'est le seul commandement que Dieu a mis entre nous, la peuple. Aimons-nous les uns et les autres.
Aimons-nous les uns et les autres. C'est la phrase qui va mettre terme à cette édition. Mais avant tout, Papa Wemba, mot de la fin et surtout pour Congo-France. Je présente mes vœux les meilleurs. Que cette année soit une année vraiment fécondante et que tout ma projet dans Bango vraiment écoute jusqu'à terme et que nous n'allons pas baisser les bras. À toutes les personnes qui nous soutiennent et qui ne cessent de nous encourager, merci à toi, mon boss, monsieur Josué Didi Dipumba depuis la France. Ça n'est fini pour cette édition. Merci à Augustin Manzembe pour la prise de vie. Au revoir.